J'étais d'abord au Gabon. Je suis arrivé en 2015, je pense. Ouais, 2015. Je viens de France, Cormeilles-en-Paris exactement, dans le Val d'Oise. Je suis là depuis 2 ans. Moi, je suis d'origine burkinabé. Je suis né au Burkina Faso, plus précisément dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et ça fait 1 an et quelques mois que je suis à Montréal. I'm from Romania. Together with my family, we have arrived here in 2015. And since then, here we are. Arrivé ici, j'avais pas genre les ressources nécessaires à m'aider pour réussir le français. Donc j'ai toujours été genre comme seul à m'adapter quoi. Je suis dyslexique, j'ai toujours été quelqu'un qui avait difficulté avec l'apprentissage et la compréhension. J'ai plus découvert ça au primaire quand je faisais des dictées. Je pense que j'en ai pas passé beaucoup. Donc là, j'avais dit à ma mère, je pense que je me trompe entre quelques lettres. Donc j'allais faire un test puis j'ai une petite dyslexie. Je suis dyslexique depuis que je suis tout petit, depuis première année. J'essaie de demander le plus d'aide possible parce que c'est difficile. Normalement, quand tu es dyslexique, tu as l'aide de l'école qui vient, ils te donnent plus d'aide, ils t'aident à faire tes devoirs, ils t'aident à avoir plus de temps, mais je n'ai pas reçu cette aide-là en fait. Et en faisant partie du CED, j'ai accès à des temps supplémentaires, ordinateurs, prise de notes et tout ça. On a les ressources sur place et on se colle à la réalité des étudiants aussi. On sait à quel cours ils sont rendus, quels sont les objectifs de ce cours-là, le nombre d'erreurs qu'ils peuvent faire là, dans ces cours-là, comment on peut les orienter un peu mieux. C'est difficile pour moi, surtout en français. Ben, je ne demande pas vraiment de ressources, je demande plus comme vraiment à mes profs de m'aider avec les travaux. J'ai du tiers-temps dans mes examens, j'essaie de poser le plus de questions possible aussi. Pour m'aider. Jouer au basket, bah, c'est pas gratuit. Il faut que tu payes ta saison, les équipements qu'on t'offre et qu'on te donne. Le basket, c'est moi qui le paye moi-même de ma poche. Je travaillais à bord dans un café l'année passée. Et tout ce qui est genre financier par rapport à l'école et au basket, normalement, c'est moi qui le couvre. Financièrement parlant, c'est dur. Par exemple, je parle dans mon cas, moi, j'ai pas forcément le soutien financier de mes proches en France. Du coup, c'est très, très compliqué de s'assumer ici. Vivre, payer son logement, payer ses courses, payer le basket, l'école, c'est très compliqué de ne pas avoir d'aide. C'est compliqué, on va dire. Difficile, oui, mais pas impossible dans le sens où je le fais actuellement. Les études, déjà, ça coûte cher pour les étudiants internationaux. Et voilà, j'essaie de faire le maximum pour gérer ma nourriture, mon loyer, tout ce qui est dépenses pour moi, tu vois. C'était soit les études, soit je survis. J'ai commencé à travailler en temps plein. Donc je faisais environ du 35-40 heures par semaine. Donc grâce à ça, j'ai pu payer ma vie en général. Mais scolairement, je ne pouvais pas suivre. Ça m'a impacté beaucoup une période, surtout les périodes avant les fêtes, parce que c'était très compliqué financièrement et mon jeu, il faisait vraiment... Voilà, il y a des périodes où j'étais bien, des périodes où j'étais très, très, très mauvais. Et je pense que ouais, mentalement, ça m'a mis un coup dur. Fait que souvent, il y en a qui sont très stressés parce qu'ils savent que la date de paiement arrive et ils n'ont pas l'argent nécessairement, ils ont leur loyer à payer. Donc, c'est sûr, au niveau psychosocial, là, je vois que ça c'est quand même très lourd chez les joueurs de basket. Yourself that ambition to prove them wrong. Okay? I want to say a very good three. When we're going to set the screens now, don't stay that much. Okay? The moment your teammate passes your shoulder, you go. En fait, de base, j'ai pas beaucoup d'amis. Et le fait de jouer dans une équipe de basket m'a aidé personnellement à faire des amis. Les étudiants viennent de partout. Donc, pour créer justement un sentiment d'appartenance, pour les aider à se socialiser de façon plus naturelle, d'intégrer une équipe sportive, ça va vraiment le faire de façon vitesse grand V. Moi, dans mon groupe d'amis en France, on est vraiment beaucoup d'immigrants, beaucoup d'étrangers. L'endroit m'était familier.
C'est-à-dire que dans l'équipe, y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique. Je pense par exemple à Teddy, des choses comme ça. Du coup, franchement, c'est pour ça que je dis qu'au niveau de l'intégration, quoi que ce soit, franchement, ça s'est fait. C'était hyper fluide. Tu sais, t'arrives à l'école, si tu connais personne, ça va être compliqué. Mais déjà, si tu vois tes 3 ou 4 coéquipiers de l'équipe, tu vas tout de suite te diriger vers eux. Eux qui sont peut-être dans d'autres groupes d'amis, tu t'intègres à d'autres gens, tu découvres d'autres gens. Alors que si t'es tout seul, peut-être tu t'isolerais un peu, tu vois. Donc c'est sûr que pour la sociabilité, ça aide et c'est pas mal là-dessus. Obviously, I'm an immigrant myself, and I understand the struggles, especially the beginning, especially being alone. And that's why I'm trying to be close to them. I'm trying to talk with them, to help them, to listen many times. For me, honestly, and it's not just a slogan. Doesn't matter from where he's coming, as well as the player he's willing to be a part of the group, which is the most important thing. And he's doing his best. He's going to have all the time an open door here. Cette année, c'est sûr que l'équipe joue un grand rôle dans la vibe de basket de cette année. On a une super équipe, on s'entend grave bien, on fait beaucoup d'activités en dehors. Donc c'est sûr que quand on joue, quand on s'entraîne, c'est pas un inconvénient. J'ai pas ma famille au quotidien, je les vois quasiment jamais. Ça fait que je compte beaucoup sur mes coéquipiers, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On peut faire des sorties entre nous, comme on peut s'entraîner très très bien ensemble, rigoler ou rester ensemble à l'école, et c'est ça qui fait un petit peu que j'oublie entre guillemets ma famille. Je pense qu'on a réussi à créer des liens très très intimes, et du coup ça fait une sorte d'alchimie. Chacun apporte son petit truc en plus, lui il a vécu ça, donc il sait plus ou moins comment ça va se passer. Et en fait ça se retranscrit sur notre jeu, parce que notre jeu il dépend de nous, donc nous en tant qu'hommes, de ce qu'on a vécu, etc. Et sur le terrain c'est ce qu'il nous faut en fait.